Bonjour à tous et bienvenue au musée Sandelin pour une nouvelle séance de yoga art avec Solène Yoga. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un tableau du XVIIIe siècle qui a été peint par Nicolas Bernard Lépicier. Il s'agit du Lever de Fanchon. Et Nicolas Bernard Lépicier, il est avant tout connu pour ses scènes d'histoire et ses scènes de genre familière. Et ici, on en a un bel exemple. Le spectateur est un peu positionné dans un rôle de voyeur parce qu'on a vu sur la chambre d'une domestique, on peut le dire grâce aux instruments qui sont disposés ici sur le côté, et puis on assiste à son lever, elle est en train de réajuster sa mise. Très bien, et eh bien on va se réveiller tout en douceur avec des effleurements comme des caresses sur tout le corps. On commence par le visage pour reconnecter à son corps, pour se détendre, relâcher les tensions au niveau du visage, de le crâne, des oreilles, du cou, du torse. Du dos. Des bras. Ventre, et des jambes. Jusqu'au bout des orteils. Réveillez tout le corps. Et comme Fanchon, il nous inspire dans sa posture, un bel étirement pour commencer la journée. Une jambe tendue devant, l'autre jambe repliée vers l'intérieur. Soulevez-vous pour mieux vous asseoir, le dos bien droit. Rentrez le menton et descendez vers la jambe tendue. Posez les mains sur le mollet, la cheville ou attrapez votre pied. Laissez l'étirement de toute la colonne vertébrale se faire, respirez tranquillement ici. Doucement, redressez-vous, inspirez, agrandissez-vous, expirez, relâchez les jambes, secouez les pieds. Et recommencez de l'autre côté, cette fois-ci l'autre jambe tendue, et puis la jambe à l'intérieur de la cuisse. Soulevez-vous pour vous repositionner, le dos bien droit. Expirez, descendez. Restez dans la posture, respirez tranquillement.
Et puis inspirez, redressez. Expirez, relâchez et secouez. Alors maintenant, on va plutôt parler de la scène de genre. Alors c'est un genre à part qui a pour but vraiment de montrer la vie quotidienne telle qu'elle est. Et donc on y retrouve moins symbole que dans une peinture d'histoire par exemple. En revanche, pour ce cas précis, l'épicier évoque assez subtilement la sensualité. Alors notamment par le chat ici qui se frotte contre la jambe de Fanchon, et puis aussi en représentant le haut de la domestique un peu démis et en laissant apparaître du coup la naissance de son sein. Mm-hmm. Je sais pas si ça te fait penser à un exercice peut-être. Ouais, un petit exercice du chat pour assouplir le dos, un exercice aussi idéal au réveil. Les mains et les genoux bien à plat dans l'alignement des épaules. Ouvrez grand les mains, déployez vos petites pattes de chat. Et puis les genoux dans l'alignement des hanches. À l'inspire, vous creusez le dos. Et à l'expire, arrondissez le dos et étirez toute votre colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez, arrondissez le dos du chat. Inspirez, creusez le dos. Expirez, relâchez. Venez vous asseoir pour plus d'explications. Alors, je vais terminer les explications sur ce tableau avec un aspect un peu plus technique. Donc, l'épicier, le peintre, avec cette représentation, montre sa maîtrise. Alors, sa maîtrise à la fois des textures, au niveau des matériaux, par exemple ici la couverture, les tissus ici dans le coin, le bois, le matériau du lit également. Et puis on retrouve des codes qui caractérisent un peu, notamment l'utilisation du blanc et du gris. Et enfin, ici donc dans le coin inférieur gauche, on a une nature morte. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un indice sur la profession de Fanchon, hein, si la chambre un peu
vide comme ça était pas déjà un bel indice, on a également le balai, la cruche et puis le seau, avec une petite chandelle qui, elle, est éteinte puisqu'elle se réveille et qu'il fait jour. Très bien, et bien, pour continuer cette séance, je vous invite à faire la chandelle. Je la décompose pour vous. Vous êtes allongé sur le dos bien à plat, les épaules bien en arrière, posées. Ramenez la nuque vers vous, le menton vers vous pour poser la nuque. Et puis, vous allez soulever les jambes à 90 degrés. Déjà ici, c'est très bien. Si vous n'avez jamais fait la chandelle, vous pouvez rester dans cette posture. Et sinon, vous allez appuyer avec les mains pour soulever le bassin. Et puis, une fois que vous êtes soulevé, vous posez les mains derrière le dos pour essayer de vous redresser un peu plus à la verticale. Lorsque vous êtes dans la posture, si vous voulez descendre, vous pliez les genoux vers le visage, vous reposez les mains et vous roulez une vertèbre à la fois. Donc, plusieurs alternatives. Soit vous restez ici dans la posture, si vous avez un mur près de vous, vous pouvez mettre le mur et reposer vos jambes dessus. Et puis sinon, montez les jambes et posez les mains derrière le dos. Essayez d'avoir les coudes le plus proche possible et de poser les mains le plus haut possible sur le dos pour être le plus vertical possible. Et restez dans la posture, respirez tranquillement ici. C'est une posture restaurative. Si vous n'avez pas beaucoup dormi pendant la nuit, elle est idéale pour redonner beaucoup d'énergie. Elle amène tout le sang vers le cerveau pour oxygéner le sang du cerveau et pouvoir avoir l'esprit clair pour la journée. Et puis doucement, repliez les genoux et descendez. Vous pouvez rouler gauche et droite pour vous masser le dos. Et roulez complètement sur un côté pour vous redresser. Une belle journée, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine fois pour une nouvelle séance de yoga.